Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Erdem, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est la grande vidéo, la vidéo je crois la plus attendue depuis que j'ai commencé le projet de van aménagé. C'est mon van tour, vous l'attendiez, enfin la vidéo est là. Pour ceux qui ne savent pas, mon van s'appelle Ares, c'est le nom qui a été choisi par ma communauté sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, d'ailleurs voilà, je mets absolument tout ce que je fais ici. Comme vous le voyez ici, on est à Malte, c'est là où je vais vivre les 6 prochains mois normalement. Je vais travailler ici et je vais vivre dans mon van. Donc commençons par parler du van. Donc c'est un van que j'ai aménagé moi-même en presque plus d'un an. J'ai commencé en janvier 2022. J'ai acheté le van, il était rouge à la base. Je vous invite à regarder les anciennes vidéos où je présentais du coup le van quand je l'avais acheté. Pour ceux qui savent pas, je l'ai acheté à Marseille et il était du coup un peu cabossé de partout. Donc Ares, c'est un Citroën Jumper de 2007 en L4 H3. Niveau motorisation, on est sur du 3 litres 158 chevaux avec une chaîne de distribution et c'est le moteur parfait pour ce genre d'aventure. C'est un moteur qui peut aller facilement dans les 700 000 km, 500 000, j'en ai déjà vu sur le bon coin. C'est un moteur qui est très fiable, donc de la marque Fiat. Pour l'instant, j'ai aucun problème avec, je suis très content d'avoir trouvé cette longueur-là, cette hauteur-là et cette motorisation-là. Je pense que pour moi, c'est le van parfait. Comme vous le voyez, Ares, il est gris actuellement. Donc la peinture que j'ai choisie, c'est du Raptor. Donc c'est un effet granuleux. Donc Ares, il est raptorisé de partout, que ce soit le plastique, le métal, tout est raptorisé sur ce van. Je pense que c'est une peinture qui protège bien la carrosserie de l'usure. À voir ce que ça donne, est-ce que ça va se décoller ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il était rouge et j'ai fait changer la couleur. Donc voilà, ici c'est gris, un peu un gris anthracite et tout ça c'est noir. Donc toutes les parties en plastique, je les ai fait en noir. Ici, on est sur des nouveaux phares, donc j'ai tout fait changer. Je voulais partir sur une nouvelle base parce que c'était un peu, vous savez, c'était un peu flou. Ici, pareil, j'ai tout changé, donc nouveau rétroviseur. Il y a quand même quelques trucs à faire, par exemple, c'est les jantes. Je vais les faire repeindre en noir. Ça, je vais les y faire faire. Donc les vitres sont teintées à l'avant. Voilà, moi, je voulais les faire teinter absolument. C'était vraiment quelque chose de primordial. J'ai pas envie qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la cabine. Alors ici, sur le côté droit de Ares, on a une fenêtre que j'ai installée moi-même. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Elle est teintée de base quand je l'ai acheté et je l'ai fait retinter, donc on a posé un film pour que du coup on puisse rien voir à l'intérieur de la cabine, mais quand même la lumière elle rentre, donc il n'y a aucun problème niveau luminosité. De toute façon, moi la plupart du temps que je suis dans le camion, la porte elle est ouverte, j'arrive à profiter du van sans problème. Vous voyez, il y a des lumières. Donc tout ça, j'ai mis du LED. Quelque chose qui est indicatif sur ces modèles là, quand c'est un L4, donc longueur 4, c'est comme ça que ça s'appelle, L4 et hauteur 3, donc H3, vous avez des lumières qui sont obligatoires il me semble, puisque ça dépasse les 6 mètres et mon van fait plus de 6 mètres du coup. Donc si vous regardez un van sur le bon coin, s'il y a des lumières là comme ça, ça veut dire que c'est un L4. Ici j'ai mis un marche-pied électrique, on va y revenir juste après en plus en détail dessus. Donc ici sur la partie arrière, on a une coupelle de remplissage GPL. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le GPL, c'est du pétrole liquéfié. Moi, mon installation, elle est full gaz, pour tout ce qui est réchaud, pour faire à manger, pour le chauffe-eau. Et elle est électrique aussi, mais on va y revenir en détail. En tout cas, ici, j'ai une coupelle de remplissage. J'ai juste à mettre mes adaptateurs et ensuite, du coup, ben voilà, moi, j'ai pas besoin de sortir ma bouteille, la remettre, changer de bouteille. Je garde la même bouteille et j'ai juste à remplir en station-service le GPL. Sur la partie arrière, donc, on a des gigantesques portes. Je sais pas si vous allez voir, mais à côté, moi, je suis tout petit à côté du camion. Le camion est vraiment énorme. Moi, je kiffe. En tout cas, c'est ce que je voulais comme camion. C'est vraiment un confort et un luxe d'avoir ce genre de véhicule à porter. Ici, j'ai fait mettre du coup un lock. Donc le tulle lock, je sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, c'est pour éviter. Admettons que j'ai laissé ouvert ou j'ai oublié de fermer la clé. Personne pourra ouvrir si ici c'est fermé à clé. On va montrer comment ça fonctionne juste après. On fait le tour du van. J'ai de la chance d'avoir sur ce van un attache-remorque. C'est pas tous les vans qui ont ça. Moi en tout cas, je l'avais et j'en suis très content parce que du coup, si je veux attacher une remorque par exemple pour mettre des motos, un quad ou je ne sais quel véhicule, je peux et c'est autorisé, donc il n'y a aucun problème. Si on passe sur la partie gauche du van cette fois-ci, donc on voit il y a trois installations qui ont été faites. Ici, j'ai la coupelle de remplissage, donc qui se ferme à clé. Et moi, je vous conseille de prendre une coupelle de remplissage d'eau qui se ferme à clé. Pourquoi? Ça évite à des personnes mal intentionnées de venir mettre des choses à l'intérieur qui sont comme du gasoil, de l'urine. À ce qui paraît, ça arrive. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai vu sur les forums que ça arrivait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu un truc avec une clé. Comme ça, tu fermes à clé et tu n'as pas de problème. Ici, on a une prise P17. Donc la prise camping-car qui permet d'alimenter tout le système électrique du van en électricité. Et je pourrais brancher un grille-pain, un sèche-cheveux. Il n'y aura pas de limite de watts parce que du coup je serai branché sur le secteur. Et donc voilà, ça permet ça de recharger. Ici,
on a la sortie gaz du trauma boiler. Donc moi j'ai voulu prendre un chauffe-eau qui fonctionne et à l'électricité et au gaz. Donc à l'électricité, quand je serai branché sur la prise de courant, je pourrai chauffer mon eau avec de l'électricité. Donc voilà, si je suis chez un ami ou si je vois qu'il y a une borne de recharge, je peux faire ça. Et du coup au gaz, donc ça fonctionne au GPL aussi, ça chauffe mon eau quand je ne serai pas branché à l'électricité par exemple. Ici pareil, on a une baie latérale avec une fenêtre. Comme ça, on peut faire une espèce de courant d'air. Parce que sur cette partie-là, j'ai aucune ouverture à part cette baie. Évidemment, je voulais qu'on puisse ouvrir pour, je sais pas, pour avoir plus de luminosité, voir ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, voilà. Pareil, il y a une étiquette ici, c'est sous vidéosurveillance. J'ai installé un système de sécurité dans le van. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc, comme vous voyez ici, j'ai eu une mésaventure avec Ares. Je l'ai frotté. Voilà, je l'ai bien frotté même. Donc, du coup, ça a très très bien frotté. Et il faut savoir qu'à Malte, les ruelles, elles sont un peu étroites et du coup, ça peut poser problème. Donc là, j'ai frotté à une grosse pierre, à une marge d'escalier un peu. Donc du coup, ça, c'est des choses que tu vois pas forcément. Mais heureusement, ça n'a pas crevé mon bleu. Du coup, on va passer à l'intérieur de la cabine. À l'intérieur d'Ares, du coup, c'est un ancien modèle de base. On n'a pas de radio Bluetooth d'écran. Comme vous voyez ici, moi, j'ai installé un écran. Donc, quand je vais démarrer le véhicule, par exemple, j'ai le CarPlay qui se lance. Donc là du coup ce qui va se passer c'est que j'ai mon CarPlay qui va se lancer. Et c'est quelque chose qui était obligatoire pour moi. Parce que si je veux voyager, je veux avoir le GPS du coup ici. C'est pour ça que j'ai acheté ça sur AliExpress. Je vous mets le lien dans la description. Ça coûte à peu près 150€ maximum avec la livraison. Je vous mets le lien dans la description. Ici très important, j'ai ajouté des prises. Pareil, ça s'achète sur AliExpress. Donc c'est du 18W. Donc sur Ares, j'ai une caméra de recul. J'ai la chance d'avoir une caméra de recul. Ça permet que quand je me gare ou je fais des manœuvres, j'ai la caméra de recul. Je vais installer une deuxième caméra de recul que j'ai acheté, qui est juste là. Je l'ai acheté sur Amazon. Pourquoi? Parce que en fait, quand j'ai un véhicule derrière moi qui me colle trop, je ne vois pas le véhicule. Donc moi, ce que je veux, c'est que je vois la route en permanence. Avec un petit écran ici, je vais voir l'arrière du véhicule. Pour moi, c'est une question de sécurité. C'est important d'avoir une caméra derrière. Je vais l'installer sur mon temps libre. Quand je ne travaillerai pas, l'installation, c'est facile. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier. Donc dans la cabine, il y a des rangements un petit peu partout. Je m'en suis servi pour mettre des rangements, tout ce qui est lié au véhicule. Que ce soit des câbles de démarrage, de batterie, des produits d'entretien, etc. Comme vous voyez aussi, j'ai des cales. Très important, des cales pour pouvoir mettre au niveau le van. Comme là on est sur un terrain qui est un peu penché, ça se voit pas trop à la caméra, mais en tout cas c'est bien penché ici. Donc tu mets des cales, pareil je les ai achetées sur Amazon, je vous mets le lien dans la description. Donc les cales permettent de mettre au niveau le van. J'en ai acheté que deux, et deux c'est amplement suffisant. Donc c'est parti, je vais vous montrer l'intérieur. Il y en a qui l'attendaient beaucoup. C'est vrai que je l'ai pas trop montré sur Instagram parce que c'est un truc que je voulais garder pour cette vidéo exclusivement. Donc là j'ouvre la porte, hop. Et donc ici, comme je vous ai dit, j'ai un marchepied électrique. Ici, j'ai un espèce d'interrupteur. Donc vous voyez, ça s'ouvre et ça descend. Hop. Donc là, c'est vraiment un luxe d'avoir ça. Moi, je le voulais en tout cas parce que j'ai des personnes à mobilité réduite ou j'ai mes grands-parents qui veulent monter dans le van. Ils peuvent pas parce que c'est trop haut. Et là c'est parfait, ça marche bien. Ici comme vous voyez j'ai une séparation de cabine. Et moi j'ai choisi de faire une ouverture qui vient se fermer comme ça. Comme ça on voit pas l'intérieur. Mais en tout cas c'est quelque chose qui a été très important pour moi. En cas d'urgence, moi je voulais pouvoir accéder à la cabine et prendre la route directement. C'est très important. Ici comme vous voyez j'ai un meuble cuisine. J'ai un réchaud double feu. Et j'ai un tuyau flexible. L'avantage de ce tuyau, je vous le conseille fortement pour ceux qui ont un aménagement où la cuisine elle est à proximité de la portière. Bah ici regardez, vous pouvez prendre une douche en fait. Bah c'est plus pratique. Tu prends ta douche, tu allumes ton eau, tu fais couler l'eau, tu peux prendre ta douche en rentrant de la plage ou tu peux mouiller tes pieds pour pas mettre du sable partout, c'est parfait. Franchement je regrette pas d'avoir acheté ça. Ça se trouve dans les grandes surfaces ou dans les magasins de bricolage, il y en a partout en France. Ici le levier, il est en inox, on a l'évacuation d'eau. Moi j'en suis très content. En tout cas voilà, il y a assez d'espace pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Ici on a une plaque de cuisson double feu qui est spécialement conçue pour les camping-cars. Et comment on sait que c'est conçu pour les camping-cars? En fait c'est très simple. Vous voyez tout ça, ça ne s'enlève pas quand on roule, ça va pas bouger. Ici on a des petites vis qui font que c'est tout fixé. Donc si tu veux nettoyer ça, t'as juste à faire ça, à pivoter et ça s'enlève. Pour l'homologation VASP, c'est ce qui est recommandé. Après, vous pouvez en faire vous-même en les vissant, en les collant. Je voulais vraiment pas me prendre la tête sur ça. Je voulais vraiment un truc, voilà, moi ça me suffit ça. Donc, on a le gaz, comme je vous ai dit. Il y a tout qui fonctionne correctement. Voilà, j'ai du gaz et ça, c'est le GPL.
avec du GPL, tu peux faire à manger sans problème. Hein, c'est autorisé. Moi, je suis pas un cuisinier de ouf. Donc, c'est vrai qu'ils sont petits. Tu peux pas mettre des grosses casseroles dessus. Mais moi, c'est amplement suffisant pour la nourriture que je vais faire dans le van. Ici, j'ai optimisé la place et j'ai créé du coup un garde-manger, un coffre dans la Capucine. Parce qu'il faut savoir que sur ces fourgons-là, la Capucine, elle est énorme. Faut savoir l'exploiter. C'est très difficile de faire un meuble à l'intérieur, vraiment. Du coup, on a un grand meuble que j'ai séparé en deux parce que dans la salle de bain, pareil, la Capucine, elle a aménagé. Enfin, elle a aménagé, tu peux mettre des choses, c'est un coffre de l'autre côté. Donc, il y a une séparation ici, qui fait que ici c'est toute la bouffe, les équipements et du coup ben les rangements. Ici pareil, donc j'ai créé un rangement en dessous du l'évier où je mets les assiettes, les verres, etc. Voilà, pour ceux qui reconnaissent, ça c'est des verres de chai. Pour boire le chai, c'est très important le chai. Voilà, donc petit rangement avec des petites poignées ici. Donc les poignées, c'est des poignées que j'ai achetées sur Amazon, je vous mets le lien dans la description. Les charnières, je vous mets le lien dans la description, c'est sur AliExpress que je les ai achetées. Et l'avantage de ces charnières là, c'est que t'as pas besoin de système d'aimant. Vous voyez, ça tient très très bien. Ça ne bouge pas. Ici, j'ai un frigo. Donc, un frigo isotherme. Donc, avec une capacité de 85 litres. Donc là, ça consomme pas beaucoup. Ce frigo, c'est un des frigos qui consomme très peu. C'est pour ça que son prix est élevé. Et ici, on a, du coup, pour mettre de la viande surgelée, etc. Tu peux tout mettre. Tout l'aménagement, que ce soit le meuble cuisine, tout a été fait par moi. Et j'ai pris le temps de le faire. C'est vrai qu'au début, j'avais fait un premier meuble cuisine qui me plaisait pas du tout. Et là, j'en ai fait un deuxième. Et celui-là, il est nickel. Il est parfait. Donc ici, j'ai acheté des coulisses qui supportent un certain poids. Et du coup, regardez ici, ben, du coup, j'ai fait un premier tiroir où je peux mettre plusieurs choses, des couverts, des choses comme ça. Ça amortit la fermeture du tiroir. Donc c'est parfait. Ici, pareil. Donc voilà, de la bouffe. Ceux-là, je les ai fait un peu plus grands parce que du coup, si on peut mettre de la nourriture, des casseroles, voilà, les couverts, les casseroles, les choses comme ça. Ici, j'ai mis des plaques de protection. Pour la norme VASP, c'est obligatoire. Il faut mettre des plaques de protection, une espèce de crédence. Donc oui, comme vous voyez ici, on a une prise électrique domestique. On a du courant en 12 volts et du courant en 220 volts, comme à la maison. Je voulais un truc vraiment comme à la maison. En fait, ici, c'est vraiment une mini maison. En haut, j'ai créé un meuble, un espèce de meuble où tu peux foutre des choses, voilà. Je voulais un espèce de truc comme ça pour optimiser la place. Encore une fois, c'est très important d'optimiser la place. Sur la partie ici, on a un extincteur qui est obligatoire pour le VASP. Voilà, moi je l'ai mis. Ici, un interrupteur. Là, c'est pour l'escalier électrique, du coup, comme je vous ai montré. Ici, on a une prise 220 volts, pareil, pour charger les ordinateurs, tout ce qu'on veut, les téléphones. Ici, on a du coup, c'est comme un allume-cigare. On a une prise USB-C, une prise USB-A. Ça s'allume et ça s'éteint pour pas consommer de l'énergie. Donc là, on peut charger son téléphone sans utiliser d'adaptateur secteur. Là, on a des rangements. Voilà, pour un peu ranger plein de choses. J'ai encore d'autres filets que j'ai pas installés. En fonction de comment c'est à l'intérieur. Si je vois que j'ai besoin d'un filet ici, je vais en mettre. Ici, on est sur la partie séjour. On a une table ici qui vient se pivoter, qui vient se lever. Je peux régler la hauteur. Je peux régler beaucoup de choses sur ces tables. C'est un pied que j'ai acheté sur AliExpress. Il n'y a pas besoin de mettre vraiment beaucoup d'argent. Ce truc-là, il vient d'AliExpress et ça fait très très bien l'affaire. Donc, il n'y a aucun problème. Je vous mets le lien dans la description également. Ici, je me suis offert un petit luxe. J'ai mis un miroir quand je vais m'habiller. Moi, j'ai un miroir pour me regarder à l'intérieur. Donc, en vrai, c'est parfait. C'est ce que je voulais. J'ai réussi à le mettre sur des charnières avec un aimant. Ça tient super bien. Ici, on a des rangements hauts, du coup, que j'ai fait. Pareil, les mêmes charnières. Donc, on n'a pas besoin d'aimant. Ça tient bien fermé. Et ensuite, ça s'ouvre. Pareil, les mêmes poignées de porte que sur Amazon. Le lien est dans la description. Comme je vous ai dit ici, donc on a des banquettes. Et en fait, les banquettes, ils sont aménagés aussi. On a des rangements en dessous. Donc voilà, si je fais ça, j'ai plusieurs rangements avec des caisses pour mettre mes affaires. Voilà, il y a beaucoup de place dans le van. J'ai fait un aménagement optimisé, on va dire, où je voulais beaucoup de place. Donc là, on va enlever la table. Je vais vous montrer la cuve d'eau, parce qu'elle est en dessous de cette banquette-là. Donc là, la table, vous voyez, elle s'enlève très facilement. Ici, les coussins, ils s'enlèvent. Voilà. Tac. Donc ici, j'ai stocké un peu de matériel aussi, en même temps que la cuve d'eau. Moi, j'ai une cuve d'eau de 90 litres qui me permet d'être autonome pendant 3 à 4 jours en prenant des douches, en faisant très attention à la consommation. À l'intérieur, on a un tank O3 qui permet de stériliser l'eau, de le transformer en O3 pour éviter que du coup, il y a la salmonelle, les choses comme ça qui se développent. Donc voilà, ici, c'est le remplissage de l'eau.
qui vient ici. Ici, c'est la pompe qui vient tirer l'eau. Et là, c'est donc pour savoir combien d'eau il me reste, c'est l'indicateur que je vais vous montrer juste après. Il y a un système pour purifier l'eau, le stériliser en amont dans la cuve. Et ensuite, j'ai la filtration d'eau que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, c'est des banquettes qui sont un peu optimisées, on va dire. Où il y a de la place. Alors ici on a tout ce qui est tableau de contrôle. Ici j'ai le battery monitor qui vient m'indiquer combien de watts je consomme, combien de watts le panneau solaire charge, parce que oui j'ai un panneau solaire aussi sur le toit. Donc ça c'est en Bluetooth et moi je vous le conseille de le prendre en Bluetooth, même si c'est un peu plus cher, c'est un confort de ouf car on peut tout visualiser avec son téléphone. Ici comme je vous ai dit j'ai un chauffe-eau, le BGE10, il fonctionne au gaz et à l'électricité. Donc ici vous voyez c'est sur le courant 230. Donc si je veux chauffer l'eau j'ai juste à faire ça. Donc là c'est sur la partie électrique et ici c'est la partie gaz, donc 70 degrés ou 50 degrés. 50 degrés c'est amplement suffisant. Ici ça c'est très important, je vous conseille de mettre un truc comme ça dans votre van. C'est le bouton qui permet d'alimenter la pompe à eau. Donc là ça fonctionne, là la pompe à eau est alimentée. Et si je l'éteins par exemple, quand je vais sortir du van je vais l'éteindre, car s'il y a une fuite d'eau au moins la pompe elle va pas vider le réservoir, elle va pas me mettre tout dans la cabine, parce que s'il y a une fuite d'eau bah il n'y a plus de pression dans les tuyaux. Ici j'ai le tableau de contrôle du chauffage diesel, puisque j'ai un chauffage diesel aussi dans le van, donc autotherme 4D qui fonctionne très bien, ça chauffe très très bien, ça fonctionne sur le diesel. On vient brancher du coup notre autotherme sur notre réservoir, ça se fait très facilement, c'est moi qui l'a fait également, et en vrai c'était pas très sorcier. Ça chauffe très vite, par contre ça fait un petit peu de bruit, donc je vous conseille de le mettre en dessous du lit, enfin quand je vous dis en dessous du lit, dans le compartiment en dessous du lit ou en dessous de votre van avec un caisson conçu pour. Ici on a l'indicateur d'eau qui me dit que c'est full. Donc là pareil, voilà, au moins j'ai un indicateur d'eau. Donc ici on a une porte de douche qui est souple et qui s'enroule. Donc ça ça coûte plus de 300 euros sur Amazon. Par contre ça vaut le coup, n'hésitez pas à mettre le prix dans certaines choses pour avoir un confort, parce que si vous mettez un truc de maison vous allez galérer. Donc ici voilà, ça vient s'enrouler et s'ouvrir très facilement. Voilà, en vrai il n'y a rien de mieux. C'est vraiment la porte parfaite pour les vannes aménagées. À l'intérieur, j'ai la chance d'avoir une toilette sèche, du coup. Donc moi, j'ai choisi un espèce de bac que tu viens mettre un sac plastique et tu viens mettre la sciure de bois à l'intérieur, donc avec un trône. Donc ici, j'ai un bac de douche que j'ai fait moi-même. Donc c'est du lino conçu pour des douches, donc du lino de douche qui est bien épais. Donc c'est tout étanche. Ici, on a le mitigeur eau chaude, eau froide. Donc avec le pommeau de douche juste là. Ici comme j'avais de la place je voulais un robinet, absolument un robinet pour se laver les dents, les mains etc, parce que j'aime pas qu'on se lave les mains dans la cuisine. Tout bah voilà, il y a de l'eau et ça fonctionne très très bien. Voilà, j'ai accès grâce aux vis, si un jour j'ai une fuite j'ai accès à tout. Ici j'ai mis une prise électrique donc qui est étanche, donc là ici c'est étanche, voilà on a un joint. Là on a un rangement, voilà c'est aimanté, comme je vous ai dit c'est la capucine qui a été aménagée. Des accroches qui se mettent avec le double face, voilà. Ici pareil pour mettre les brossards dans l'intérieur, ça vient les stériliser avec une lampe UV qui est à l'intérieur. Pour les toilettes donc c'est un espèce de bac comme ça, et en dessous on a des rangements, voilà. Il y a beaucoup de rangements un peu partout dans le van. Pour ceux qui vont me demander comment j'ai fait les murs blancs comme ça, avec quoi j'ai fait ça avec du PVC brut. Donc j'ai acheté ça dans un magasin de sérigraphie qui vendent des anciennes de magasins. Ils avaient des plaques en PVC et je me suis servi de ces plaques pour faire du coup toute la cabine douche étanche. En haut on a un extracteur d'air et un ventilateur, donc ça met l'air à l'intérieur et ça l'extrait aussi quand je prends ma douche. Donc j'ai plusieurs modes et je peux ouvrir, donc ici voilà, et là ça me met de l'air à l'intérieur du van, ou ça me l'extrait quand je prends ma douche. Voilà, c'est parfait. Concernant le plafond du van, j'ai installé des lanterneaux. Donc deux lanterneaux, je vous mets le lien dans la description aussi, je les ai achetés sur H2R, qui viennent s'ouvrir comme ça. Voilà, comme ça on a de l'air à l'intérieur. La moustiquaire. Et du coup le store occultant. Et je peux quand même passer sur le toit. En vrai je suis normal, donc j'arrive à passer sur le toit en cas de problème. Pour regarder les panneaux solaires. Détecteur de fumée, ici un espèce de truc pour accrocher le linge, donc ça vient se tirer. Je l'ai acheté sur AliExpress, je vous mets le lien dans la description également. Tu viens, tu tires et tu l'accroches juste là pour accrocher ton linge. Donc je voulais un espèce de plafond noir avec des rayures en bois et vraiment le rendu il est incroyable. Donc les lumières que j'ai installées, c'est des lumières que j'ai achetées sur AliExpress, ça se présente comme ça.
Je les ai pas mis en série, les lumières. Il faut pas les mettre en série. Parce que s'il y en a une qui grille, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il faut les mettre en parallèle. Comme ça, moi, j'ai un bouton qui me permet d'éteindre et allumer la lumière que je désire allumer ou éteindre. Donc, vous voyez, ça reste toujours allumé. Vous voyez, j'ai un interrupteur ici. Et j'ai un interrupteur là-bas. J'ai fait un système de va-et-vient. Ça permet d'allumer les lumières et les éteindre voilà, n'importe où, si je suis dans mon lit ou que je rentre dans le van. J'ai mis des LED également. Donc, j'ai un bouton juste là, à côté du lit, avec du coup, des LED qui changent de couleur. Avec la petite télécommande qui va avec. Au moins, Netflix and chill tranquille ici, là. En vrai, avec la petite télé, c'est vraiment parfait. Donc voilà, pareil, rangement ici, pour les vêtements. L'habillage des portes. La porte, elle est isolée. Tout est isolé. La petite télé. Je me suis offert une petite télé comme ça. Donc la télé, elle consomme rien du tout. Je crois qu'elle consomme moins de 100 watts. Donc vraiment, c'est parfait. J'ai mis une prise électrique derrière la télé. Donc vers le lit, pareil. Une prise de courant pour charger son téléphone. L'allume-cigare qui permet de charger son téléphone. Vous voyez, ça s'allume et ça s'éteint. On voit encore l'isolation ici. C'est vrai que c'est pas terminé ici, mais ça va se faire quand je reviendrai en France. On voit l'isolation Armaflex. Toute l'isolation du van a été faite avec de l'Armaflex. Moi, je vous conseille l'Armaflex parce que ça se colle partout. C'est vrai que le liège projeté, c'est bien. Mais niveau efficacité, l'Armaflex, c'est ce qu'il y a de mieux, je crois, parce que c'est très épais. C'est ce qui est utilisé dans la climatisation. C'est ce qu'ils mettent autour des tuyaux de climatisation, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Pour l'isolation aussi des fenêtres, vu que c'est pas du double vitrage, j'ai des rideaux comme ça isolants. Ils appellent ça isolant, c'est vendu comme ça sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Donc je me suis fait des petits rideaux comme ça. On a la fenêtre qui s'ouvre. Et vous voyez que c'est très teinté. Je sais pas si vous voyez la teinture de la vitre, mais en gros moi je l'ai fait le plus teinté possible ici. Comme ça, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur de la cabine. Et quand moi j'ouvre ma fenêtre, au moins j'ai de la lumière qui rentre. C'est à moi de choisir. Donc si je veux de la lumière, j'ouvre. Si je veux pas de lumière, je ferme. Donc comme Arès il est long, je me suis permis d'avoir un lit 120 par 190, c'est le lit parfait. C'est un matelas Emma, c'est le lit parfait je trouve. Parce que du coup, moi c'est ce qu'il faut. Moi ça me fait du bien au dos, moi je voulais pas un truc comme ça. Donc voilà. Il y a deux personnes qui peuvent dormir ici. Une personne qui peut dormir ici. Là je vais faire un système avec une planche. Donc ici, tu vois, je vais mettre des cales que j'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu l'utilité en soi. Donc je vais mettre une planche qui sera sous le lit. Et au moins, on pourra prendre ça et le mettre ici, ça va faire un lit. Donc en bas d'une banquette, on a donc le système de chauffage, la bulle d'aération qu'on peut orienter. Donc ça, c'est le chauffage diesel. Moi, j'adore parce que du coup, je peux venir l'orienter en bas ou en haut ou je peux venir le fermer. Donc ici, on a notre loquet qu'on va venir ouvrir comme ça. Hop, et la porte, elle s'ouvre. J'ai également un loquet intérieur. Donc pareil, j'ai acheté sur AliExpress. Donc comme vous voyez là-bas, on a un loquet, on en a deux. Et ça permet de venir mettre une vis, une clé à l'intérieur et de que quand ça c'est fermé, personne ne peut ouvrir les portes, même si extérieurement c'est ouvert. J'ai de la chance parce que j'ai des portes qui s'ouvrent vraiment bien. Ça s'appelle des portes papillons, il me semble. Donc moi j'ai ça dans mon van et j'en suis très content. C'est parfait parce que si tu veux faire un... Tu veux te poser dans un endroit, un spot, tu veux dormir au bord de la mer, c'est parfait. Ici, j'ai ma trottinette électrique parce que du coup, j'ai de la place. J'ai pu prendre ma trottinette électrique. Donc en vrai, c'est parfait. Ensuite, ici, on a une machine à laver. Donc je me suis offert le luxe d'avoir une machine à laver. Comme ça, je peux laver mon linge et je suis autonome. Voilà, ça fonctionne avec de l'eau chaude, ça tourne. Voilà, ça, c'est sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description pour cette machine à laver. Voilà, c'est une petite machine à laver qui consomme très peu. Avant de venir à Malte, on m'a dit que l'eau, elle était pas bonne, l'eau du robinet. Et comme moi, je remplis mon réservoir d'eau avec l'eau du robinet, je me suis dit, il me faut un système de filtration d'eau performant avec un filtre à charbon et un filtre à particules. Du coup, j'en ai deux. J'ai acheté ça sur Amazon, pareil. Je vous mets le lien dans l'inscription, c'est parfait. Tous les raccords, ils sont faits avec du coup des raccords Bicom, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou des raccords quick raccords, je sais plus. C'est sur H2R que j'ai acheté tous les raccords. Vase d'expansion, pompe à eau, une pompe à eau qui est puissante. Et, pareil pour le vase d'expansion. Alors je sais que le vase d'expansion, c'est pas conseillé de le mettre dans ce sens là, mais c'est provisoire. Donc pareil, on a le chauffe-eau qui est juste là. Voilà le chauffe-eau Trauma qui fonctionne très bien, qui chauffe rapidement. Très important quand on est en van, je vous conseille de prendre des outils. Moi j'ai ma boîte à outils parce que comme je vous ai dit, j'ai eu des galères pendant mon voyage. Donc j'ai eu des galères comme l'eau qui fuyait ici, j'ai pu réparer ça, j'avais une fuite de gaz aussi, j'ai pu traiter la fuite de gaz. Donc toujours avoir des outils, prenez une caisse à outils comme ça et puis
Si vous arrivez à le caler dans votre van, c'est parfait. En vrai, j'arrive à mettre beaucoup de choses dans le van. Donc j'ai deux chaises, une table. J'ai plein d'objets qui permettent à faire de la maintenance. Ou des objets pour faire du camping, un barbecue. En vrai, j'ai pris plein de choses. Toujours la visseuse des visseuses. Alors comme vous voyez ici, le lit, on a fait un espèce de sommier. Je sais pas si ça s'appelle un sommier, mais en tout cas pour supporter le poids. Bon, donc là, c'est de la ferraille qu'on a soudée avec un ami. Et on a posé ça sur des litos. Donc là, ça supporte et ça plie pas. En vrai, moi, je vous conseille de faire un truc, même si c'est un peu plus lourd. Donc vous voyez, au moins, ça tient super bien. Ici, j'ai un caisson étanche pour la bouteille de GPL. Donc ici, on a des loquets qu'on vient ouvrir. Hop. Et à l'intérieur, on a notre bouteille GPL avec la lyre de remplissage, la lyre haute pression, voilà, pour que ça aille dans le système. À l'intérieur, très important, j'ai un détendeur Trauma qui permet en cas d'accident, en cas de quoi que ce soit, il se met en sécurité et il coupe l'arrivée du gaz. Donc là, c'est quelque chose d'important et je crois que c'est obligatoire. Je sais pas depuis combien de temps, mais il me semble que c'est obligatoire. Pareil, en dessous de la bouteille, il y a des aérations qui ont été créées. Donc j'ai fait des gros trous. Je crois que c'est 100 cm² minimum. Alors pour tout ce qui est système électrique, alors là, c'est mon partenaire Solaristore. Solaristore, ils m'ont envoyé tous les équipements nécessaires pour une installation parfaite. Donc après avoir discuté avec eux, moi, je voulais un système de 120 volts et 12 volts. Donc là, c'est le module qui envoie du 12 volts. Donc ça, c'est le convertisseur 12 volts, 220 volts. Ça convertit voilà, en 220. Ici, on a le MPPT, c'est le module solaire. Comme je vous ai dit, j'ai des panneaux solaires. Enfin, j'en ai un seul de 300 watts, ce qui est amplement suffisant pour Malte. Ici, on a le Orion qui est branché à l'alternateur du véhicule. Quand je roule, ça recharge ma batterie. Ici, quand il y a du soleil, ça recharge ma batterie. Et là, quand je suis branché à une prise électrique, ça recharge ma batterie. Donc voilà, on a tous les disjoncteurs juste là. Pour le panneau solaire, c'est un panneau solaire Unison de 300 watts. Qui me permet de charger jusqu'à 300 watts. Et donc j'en ai mis qu'un seul parce que je suis dans un endroit ensoleillé. Et donc c'est fixé avec, pareil, les supports Unitech. D'ailleurs, j'ai un code promo. Donc comme c'est mon partenaire Solaristore, il vous offre un code promo. Le code promo, c'est RDEM. Vous écrivez RDEM sur Solaristore lors de votre achat. Donc vous aurez une belle réduction. Si vous voulez un système solaire domestique, un système électrique solaire pour les vannes aménagées, donc Solaristore, ils vous accompagnent. Ils ont un simulateur, donc vous mettez tous les équipements qui vont consommer de l'énergie. Et du coup, eux, ils vont vous faire un plan. Ils vont vous proposer, du coup, par exemple, voilà, on vous propose de, si vous roulez beaucoup, et ben un Orion pour du coup que ça soit branché à l'alternateur du véhicule et que ça recharge vos batteries. Si vous allez dans un endroit ensoleillé, on vous conseille ce panneau là. Ou un seul panneau, ça suffit. Voilà, donc c'est un suivi personnalisé. Dans le budget de l'aménagement, c'est vrai que le système électrique, c'est un gros budget. C'est vrai qu'une petite réduction, ça fait toujours la différence. Donc voilà, le code promo RDEM, n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez faire vos achats sur Solaristore. Tous les produits sont garantis et c'est du Vicron énergie, il n'y a aucun problème. Alors la batterie, c'est très important, ça ne vient pas de Solaristore. Alors c'est une batterie que j'ai achetée sur AliExpress. Elle fait 280 ampères heure. Et c'est une grosse batterie, voilà, full lithium. Moi, je voulais une grosse capacité en lithium parce que le lithium, tu peux le charger à 100%. Il n'y a pas de problème de déchargement, tu peux le décharger à 100% et c'est ce qu'il faut en fait. Moi, je vous conseille de prendre du lithium. C'est vrai que ça coûte cher, donc après, à voir au niveau du budget si ça rentre. Je vous mets le lien dans la description. C'est vrai que sur AliExpress, on a peu confiance, mais en tout cas, moi, je l'ai reçu en 3 mois. Il faut acheter la batterie en avance et comparaison des prix, c'est beaucoup moins cher d'acheter sur AliExpress une batterie comme ça que de l'acheter en France. Alors en dessous du van, j'ai un réservoir d'eau de 70 litres. Donc c'est un réservoir d'eau sale, donc d'eau grise qui est juste là. Donc ce réservoir d'eau, il fait 70 litres et du coup je peux venir vider l'eau, vidanger ça dans les aires de camping-car ou dans la nature. Si je pense que c'est de l'eau saine, c'est possible de vider dans la nature tant qu'il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Donc pour le sol du coffre, j'ai choisi un espèce de lino en caoutchouc anti-dérapant. Moi, je voulais un truc comme ça parce que je trouve que c'est meilleur. Ça fait beaucoup plus propre, c'est facile à nettoyer et c'est anti-dérapant. C'est ce qu'il faut dans les aménagements comme ça parce qu'on a des choses derrière. Et je l'ai acheté sur AliExpress. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été achetées sur AliExpress et j'ai fait des sacrées économies sur l'achat de quelques éléments. Je vous mets le lien dans la description. Les amis, cette vidéo touche à sa fin.
J'espère qu'il vous a plu. Donnez-moi votre avis sur l'aménagement du van, sur l'aménagement de la reste. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait modifier? Je sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. Votre avis m'intéresse. En tout cas, je suis très content de vous avoir présenté Ares. Je vais faire quelques vlogs concernant mes voyages. Je vais faire des vidéos sur l'aménagement du van. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? En gros, je vais faire des vidéos sur la van life. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez surtout pas aussi à me suivre sur Instagram. C'est très important. Parce que sur Instagram, je partage vraiment et on a de l'interaction avec les abonnés. C'est plus la vie réelle sur Instagram que sur YouTube. Tu es obligé de faire les vidéos, les monter, etc. Que sur Instagram, c'est spontané. Tu fais ta story et puis après, tu as des interactions. C'est que le début de l'aventure. Je vais faire des grands voyages. Peut-être qu'il y aura d'autres vannes que je vais aménager, je sais pas. C'est peut-être un projet futur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.